Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans les Sloft Videocast. Ce nouvel épisode s'intitule « Fluidifier les circulations dans 70 mètres carrés très anciens ». Effectivement, les vieux immeubles en centre-ville ont souvent beaucoup de charme, mais leur distribution originelle peut ne plus correspondre aux usages actuels. Surtout si, comme l'appartement que nous allons visiter, ils accueillaient des activités de bureau à l'époque de la Révolution française. Alors l'appartement dont je vous parle offrait un très beau volume, simplement il a fallu le reconfigurer complètement pour fluidifier à la fois la circulation des habitants, mais aussi de la lumière. Alors pour en parler, pour parler de ce projet, j'ai le plaisir d'accueillir Agathe Marimbert, l'architecte, conceptrice de ce projet. Bonjour Agathe. Bonjour, merci de me recevoir. Oui, en effet, nous, on est une agence d'architecture d'intérieur principalement, mais en fait, je suis architecte de formation, donc on essaye de travailler différentes échelles et toujours les projets d'une manière assez globale. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un mot des propriétaires, des habitants de cet appartement ? Oui, alors j'ai été contactée par un couple d'amis, en fait, de longue date, qui habitaient déjà dans cet appartement depuis un an et qui ont eu envie, après plusieurs mois d'usage, de reconfigurer certains espaces et de travailler sur les circulations et l'agencement global. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en fait, ces habitants ont d'abord préféré vivre dans un espace sans doute un peu ancien, pour comprendre quels étaient véritablement leurs besoins avant de lancer le chantier. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils ont été très séduits au moment de l'achat par ce grand volume, la localisation, la grande pièce de vie qu'on verra après, qui est très lumineuse. Et du coup, voilà, ils ont été enchantés, ils se sont installés très vite. Et puis, au fil des mois, ils ont pris un peu conscience de ce qui leur faisait envie à deux. Et c'est là qu'on a commencé à bosser. D'accord. Alors, ce grand volume dont on parle, on le découvre sur le plan. Donc, effectivement, on voit que c'est peu ou prou un rectangle. Et simplement, dedans, tu as beaucoup travaillé. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail ? Oui, alors ce qu'on remarque ici, je pense qu'il y a deux axes importants qu'on a voulu travailler. Tout d'abord, révéler le caractère traversant de l'appartement. Donc on remarque que d'un côté, on est sur la rue principale et de l'autre côté, on est côté chambre, la chambre de droite, on est sur la cour de l'immeuble. Donc on a voulu maximiser un peu l'apport de lumière naturelle dans l'appartement, ce qui manquait beaucoup auparavant. Et puis on a voulu retravailler les circulations de manière globale parce qu'auparavant, on passait à travers une salle de bain qui était à la place de la cuisine aujourd'hui pour passer dans une chambre. Et puis la deuxième chambre était accessible directement depuis le séjour. Enfin voilà, comme tu le disais tout à l'heure, cet espace accueillait auparavant une confrérie de coffretiers voilà, au moment de la Révolution française. Et du coup, on imagine en tout cas que les pièces n'avaient pas été distribuées pour un usage domestique. D'accord. Alors, donc on découvre, ça y est, la cage d'escalier de ce vieil immeuble. Oui, alors là, on remarque vraiment les petites cages d'escalier très étroites du sentier, assez classique, entre guillemets. On arrive par un porche commercial en bas et voilà, cette petite cage d'escalier, elle dessert un appartement par niveau. D'accord. Et alors, voilà, nous sommes arrivés sur le palier, nous avons franchi la porte et nous voici dans l'entrée, une entrée très lumineuse. Oui, alors là, ce qu'on remarque tout de suite, c'est cette envie de travailler la transversalité de la lumière. Et surtout, voilà, on ne pouvait pas forcément faire tomber cet élément qu'on a rendu courbe. Mais du coup, on a quand même voulu essayer de travailler une percée qui nous permettait, dès l'entrée, de voir jusqu'à la rue Saint-Denis de l'autre côté. Donc voilà, on comprend là qu'il y a différents calques, différentes strates qui nous amènent vers la lumière de l'autre côté. Alors on va s'avancer justement vers l'autre côté, vers la pièce à vivre. Oui, alors ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a donc installé la cuisine à la place de l'ancienne salle de bain et créé une grande ouverture. L'idée, c'était de pouvoir proposer une cuisine qui soit ouverte sur l'espace de vie, mais pour autant un petit peu cachée pour que les éléments plus techniques d'une cuisine ne soient pas forcément visibles. Alors on va découvrir cette cuisine, là dans le sens de la longueur. Ouais. Alors on a essayé de travailler une cuisine plutôt en partie basse pour limiter les éléments hauts qui ont un langage très cuisine pour du coup profiter d'un langage un peu plus décoratif. Et puis s'ajoute à ça cette fresque qu'on devine là à gauche, voilà, qui se déploie de ce côté-là, qu'on a découverte en abattant cette niche, enfin voilà, cette ouverture qu'on a créée vers le séjour. C'était une ouverture ancienne qui avait été bouchée.
Et c'est en faisant sauter le plâtre ici qu'on a découvert, en faisant sauter les gravats, des morceaux de dessin. Qu'on en a gardé ce qu'on pouvait. Et voilà, cette grande ouverture vers le séjour permet aussi de faire office de passe-plat pour la cuisine. D'accord. Alors, cette fresque donc, qui date de la Révolution française, on en découvre un détail assez truculent, puisqu'on voit donc sans doute une révolutionnaire, une sans-culotte, qui justement fouette une bonne sœur. Ouais. Une bonne sœur, d'accord. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, apparemment, c'est un symbole assez représentatif de l'époque. Mais voilà, et on devine une autre bonne sœur derrière qui prie pour qu'on laisse sa consœur tranquille. Mais voilà, c'est vrai qu'a priori, enfin, il y a plusieurs signes très révélateurs et très stéréotypés de l'époque de la Révolution française. On le verra, je crois qu'on le voit après, la guillotine. Enfin voilà, il y a plusieurs symboles très forts qui sont représentés dans cette cuisine. Et les clients étant férus d'art et d'histoire principalement, voilà, se sont dit que c'était intéressant de garder ça malgré l'empreinte visuelle que ça peut avoir. Et donc, ça nous resitue bien ce quartier qui était très industrieux dans son contexte. Et donc, on imagine vraiment un quartier absolument en ébullition à cette époque-là. Ouais, tout à fait, tout à fait. D'accord. Alors, on quitte la Révolution française pour poursuivre notre exploration de la pièce principale, effectivement, donc une grande pièce assez haute et extrêmement lumineuse. Oui, voilà. Donc là, c'est vraiment la vue qu'on a depuis la cuisine. Et puis, en s'avançant, on a ces deux grandes fenêtres très hautes, classées, qui sont très belles, qui donnent sur un petit balcon. L'idée ici, c'était vraiment de laisser plutôt de la place à la décoration des propriétaires et non pas de venir intégrer un langage très moderne ou X ou Y. En tout cas, voilà, on a rempli deux niches de part et d'autre des anciens conduits de cheminée pour intégrer du rangement et des étagères ouvertes pour tous leurs livres. D'accord. Mais voilà, l'idée ici, c'était de laisser place un peu à tous ces objets. C'est des gens qui voyagent beaucoup, beaucoup en Orient et en Afrique du Nord, donc qui ont ramené beaucoup de choses de leur voyage. Qui ont aussi un très grand tableau représentant une famille aristocratique chinoise qui est un truc qui fait 2 mètres de haut. Donc voilà, c'est des objets qui prennent de la place et l'idée de ce salon, c'était plutôt de laisser place à ça. D'accord, de valoriser cette collection personnelle. Et justement, alors comment fait l'architecte pour s'adapter parce que l'architecte, il a sa vision, ses codes, mais comment est-ce qu'il dialogue justement avec une volonté décorative qui vient des clients? Oui, c'est vrai que c'est toujours un peu... une question. Alors là, ce qui tombe bien, c'est que on était assez séduits par leur style et leurs envies. C'est vrai que du coup, nous, on a essayé d'intégrer cette envie un peu orientale et ces codes qui étaient déjà très présents chez eux, tout en évitant, en tout cas en essayant d'éviter le pastiche, quoi. C'est-à-dire que voilà, on est quand même, nous, comme beaucoup d'architectes, on essaye de révéler un peu l'histoire d'un lieu. Et du coup, ça n'avait pas forcément de sens non plus de partir dans un esprit totalement marocain ou oriental de manière générale. D'accord. Donc ça veut dire que vous avez parsemé, en fait, votre rénovation et donc votre décoration de quelques touches qui font référence à une sorte d'Orient assez large. Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'eux avaient envie... Il y avait deux, trois choses très précises dont ils avaient envie. Un peu de terre cuite, des éliges, voilà, qui sont des goûts esthétiques qui leur correspondaient bien aujourd'hui. Mmh. Donc on l'a intégré avec parcimonie. L'idée, c'était de travailler un peu avec de la nuance et de ne pas tartiner un style trop marqué dans un appartement. Voilà, finalement, historique et très parisien. Voilà, exactement. Donc, ok, donc très bien. Donc là, effectivement, on s'est approché du balcon et donc là, on découvre un très beau balcon avec une belle balustrade en fer forgé. Ouais, c'est vrai que ça, c'est très charmant et en plus, du coup, pendant une grande partie de l'année, ils vivent fenêtre ouverte dans le séjour. Donc, c'est vraiment une extension de la pièce de vie avec, du coup, cette vue sur la rue très commerçante, très passante, très animée et puis la porte Saint-Denis au bout de la rue. Ouais. D'accord. Alors, on a fait un tour sur le balcon et maintenant, on rentre à nouveau dans la pièce principale et effectivement, on découvre ces deux bibliothèques qui encadrent le conduit de cheminée. Oui, voilà, là, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'était de trouver deux espaces bien distincts pour l'ensemble de leurs livres. Donc voilà, de ce côté-là, on est plutôt sur de la petite décoration et de petits objets, alors que c'est de l'autre côté qu'on retrouve plutôt les grands éléments de décor. Et on remarque ici, du coup, là, cette table à manger avec des chaises complètement dépareillées qui apportent une touche un peu décontractée à un appartement voilà, très décoré, en fait. D'accord, donc on va justement découvrir cette salle à manger qui a opportunément été placée
passer finalement au contact de la cuisine et de cette ouverture qui facilite sans doute les manœuvres. Voilà, exactement. Donc là, c'est tout à fait ce qu'on remarque, c'est que cette table est très proche de cette grande ouverture qui fait office de passe-plat. Ce qui est agréable du coup au quotidien, en tout cas je crois que c'est ce qui leur plaît, c'est qu'ils peuvent cuisiner tout en étant ensemble et pour autant il y a une forme de séparation entre les deux espaces. Et puis, donc on devine ce grand tableau, cette grande fresque, qui est vraiment très belle et qui occupe vraiment, vraiment l'espace, qui est posée de manière un peu nonchalante sur le sol et non pas accrochée au mur. Et qui laisse avoir le début des espaces de vie plus privative, on va dire. Cet accès à gauche. Par la gauche qu'on découvre. Voilà. Et on va s'y diriger. Sur la gauche, si on se souvient du plan, il y a donc une chambre. Une première chambre qui donne, elle, donc sur la rue. C'est ça. Donc ça fait vraiment partie de la deuxième stade de rénovation. C'est-à-dire qu'on a rassemblé tous les accès aux pièces plus privatives en un point, ce point qu'on vient de voir depuis le séjour, pour limiter au maximum les couloirs et les portes visibles depuis la grande pièce de vie. Donc là, on a ce petit sas qui nous mène d'une part à gauche vers cette chambre, qui pour l'instant est une petite chambre d'amis. Jusqu'à présent, c'était une pièce très profonde et du coup, on a décidé de la raccourcir pour y intégrer une petite salle de bain avec une baignoire. D'accord. L'appartement, il fait quand même presque 75 mètres carrés. Donc, au début, en fait, ils n'avaient pas vraiment cette envie-là. Ils pensaient qu'une seule salle de bain... ils ne pensaient pas du tout qu'on arriverait à faire deux salles de bain. Et finalement, on a réussi à faire deux petits points d'eau et d'intégrer une baignoire, ce qui n'était pas forcément dans leur brief d'origine, mais qui, du coup, qui a évolué avec nous. Voilà. Et qui peut être pratique, effectivement. Voilà, le jour où ils ont des enfants, et puis même pour eux, je pense que ça leur plaît beaucoup. Ouais. Ouais. Et on découvre déjà dans cette salle de bain des teintes assez, assez chaudes, peut-être qui font écho à cette vision un peu orientalisante de la décoration. Oui, c'est ça. Dans le séjour, on est très blanc malgré ces deux niches vertes. Dans la cuisine, on est resté sur une teinte un peu off, mais qui rappelle le fond un peu crème de la fresque qu'on a découverte. De ce côté-là, on est sur des teintes assez calmes, mais assez chaudes en effet dans les deux chambres. Et puis on devine cette teinte très foncée qu'on a choisi d'appliquer dans la buanderie. D'accord. Donc là, on est sorti de la salle de bain on se dirige vers la gauche, vers le côté cour. Et là, on a effectivement une sorte de rupture colorielle avec une sorte de sas à nouveau, de petits couloirs sas assez denses en termes de... Oui, l'idée, c'est qu'on essaye toujours de donner un peu de fonction au couloir. D'accord. Auparavant, on dessinait, les appartements étaient, les chambres étaient distribuées par des grands couloirs avec une batterie de portes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de réduire ça au maximum pour que les mètres carrés profitent aux pièces qu'on utilise vraiment. Et là, on a créé une surépaisseur pour intégrer un espace de buanderie. Pour éviter de se retrouver avec l'étendoir dans le séjour, comme on a tous pu avoir passé un temps. Et on a choisi d'appliquer cette couleur assez franche pour donner un aspect un peu décoratif à une pièce qui est assez technique, de par sa fonction. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un couloir buanderie, et qui mène donc à la grande chambre, donc la chambre parentale qu'on découvre maintenant. Tout à fait. Donc là, on remarque qu'on a avancé un petit peu le cloisonnement de cette pièce. On a profité de la grande hauteur pour créer une grande trappe. Donc on a 3 mètres carrés de rangement dans le faux plafond, ce qui est assez intéressant pour les valises, etc. On a intégré un dressing sur mesure qu'on voit là. Et puis on a gardé le caractère du lieu, c'est-à-dire les moulures, le poêle prussien. Et puis c'est depuis cette pièce qu'on accède à la petite salle d'eau dont on parlait tout à l'heure. D'accord, qu'on va découvrir donc à gauche du lit. C'est ça. Et là, on s'arrête un petit peu sur le lit. Donc là, on remarque cette couleur, un peu ce gris chaud qu'on a appliqué dans les deux chambres. Et pour le coup, dans cette pièce-là, on est resté assez calme en termes d'intervention, hormis le dressing dont on parlait tout à l'heure. Les clients avaient ces portraits turcs qu'ils avaient envie de garder dans leur chambre, des petites tables de nuit en bois qui rappellent un peu la table à manger et la table basse du salon. Des petites appliques vintage qu'ils ont achetées sur Salency. Voilà. Et tout à fait. Et donc, on voit sur ces petits chevets, on dirait presque des pièces un peu artisanales, qui s'intègrent bien dans cette décoration assez dépouillée. Et on voyait aussi les petites appliques au-dessus, les liseuses du lit, qui elles-mêmes ont une partie en laiton. En laiton. Voilà. Et donc, ce sont ces petites touches.
C'est ça, et puis ce laiton, il fait écho au mitigeur de la cuisine, qui lui-même était traité en laiton, les petits boutons de porte de la cuisine aussi. Voilà, l'idée, c'était de retrouver un peu ces petites touches à travers tout l'appartement. Mais de façon effectivement assez subtile, comme tu le disais ouais, on essaye, en préambule. Et donc, on continue la visite de la chambre, et donc il y a ce deuxième point d'eau. Ouais, voilà, l'idée ici, c'était d'essayer de créer une petite suite parentale complète, entre guillemets, et du coup d'avoir un accès direct depuis la chambre à une petite salle d'eau qui ne leur serait destinée qu'à eux. Voilà, donc c'est l'ancienne place de, c'est la place de l'ancienne cuisine, pardon. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette fenêtre avec, auparavant, en dessous, on avait le garde-manger. Donc on a fermé ce garde-manger pour y intégrer du rangement. Et voilà, donc cette salle de bain, en fait, elle est baignée de lumière tout le temps et on devine en partie haute les espaces vitrés qui permettent d'éclairer naturellement l'entrée. D'accord. Et donc, là, je m'arrête un peu à nouveau sur les touches décoratives. Donc, on voit que la crédence, en fait, de la vasque a été traitée en tadélacte, à peu près. C'est un béton ciré. D'accord. C'est un béton ciré décoratif, mais du coup, qui a été appliqué à la main. Donc, on sent, en effet, ce côté un peu artisanal de l'application d'une matière naturelle. Et puis, voilà, on l'a mixé avec de la céramique dans la douche. D'accord. Comme je disais tout à l'heure, ça, c'était une vraie envie des clients du Zellige vert. C'était un truc qui leur plaisait beaucoup. Donc, on a essayé de marier ça avec une matière sans joint, mais qui, voilà, qui rappelle un peu ce côté oriental qui leur plaisait. Oui, tout à fait. Et donc, on a à la fois l'aspect décoratif du motif chevron et en même temps, tout ça reste assez actuel, assez moderne, oui, voilà, parce qu'il y a des lignes simples, quoi. Voilà, dans le traitement des formes, exactement. L'idée, c'était d'avoir ces grands bandeaux vitrés sans cadre, sans châssis visible en tout cas, qui apporte une touche un peu contemporaine au dessin de cette salle de bain. On a ce grand miroir sur mesure qui est toute hauteur, toute largeur, la cloison qui délimite la douche qui ne va pas jusqu'au plafond. Enfin voilà, on essaie de rester dans un langage assez simple parce que du coup le chevron est très visible. Oui, voilà. Et donc ça permet de le calmer un petit peu, ouais, et donc effectivement tout à toujours fait. De créer cet équilibre important. Et donc effectivement on découvre donc ces grandes vitres sans montant et donc qui participent à la circulation de la lumière que tu nous décris depuis le début. Et alors peut-être qu'on va les découvrir de Voilà. l'autre côté. Donc là on retrouve ces deux fenêtres, donc l'une qui donne dans la cuisine, l'autre qui donne dans l'entrée. Tout à fait. Donc voilà, on comprend bien là, je pense, la manière dont la lumière circule et arrive depuis la cour. Et puis on devine aussi cette grande percée verticale qui donne vers la porte d'entrée, qui permet de créer un petit sas fermé, mais pour autant qui permet de laisser passer les vues et la lumière. D'accord. Et donc, ce qui est étonnant quand on voit cet appartement, c'est qu'on voit que cette redistribution, qui a sans doute vraiment changé complètement les plans d'origine, s'inscrit très bien dans un patrimoine assez ancien et donc n'a pas du tout dénaturé finalement le bâti existant. C'était important? Bah oui, je pense que, comme je disais tout à l'heure, comme je l'espère et je pense la plupart de mes confrères, on essaye toujours de conserver l'esprit d'un lieu. On ne travaille pas un appart ou un bureau des années 70 de la même manière qu'on travaille la rénovation d'un appartement dans un immeuble comme celui-ci. Donc voilà, l'idée, c'est toujours d'essayer de travailler avec nuance, de prendre les besoins et envies des clients et puis de les remanier pour trouver une solution adaptée au lieu et adaptée à leurs besoins. Voilà. Merci beaucoup Agathe d'avoir merci été à vous avec nous pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura inspiré, qu'il vous aura donné des idées et je vous donne rendez-vous pour un nouveau Sloft Videocast pour découvrir et décrypter ensemble des solutions d'aménagement pour un habitat toujours plus ergonomique, plus efficient mais aussi plus beau. À bientôt.